Salut à tous, c'était Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir à la miniature ou au titre, je vais vous présenter le futur à la bas pour 500 crédits les gars, tenez-vous prêts. Il s'agit de Rafael Guerrero, 83 de vitesse, 69 de tir, 73 de passe, 77 de dribble, 72 de défense et 64 de physique pour 1m70, 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Bon voilà les gars, vous allez me dire, ouais titre putaclic et tout ça. Je vous voyais venir, les gars, comme je vous le dis à chaque fois, quand je vous présente des joueurs, c'est que je les ai testés. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 56 matchs avec Guerrero. Et franchement, pour 500 crédits, les gars, vous pouvez pas trouver mieux. C'est un défenseur vraiment très très bon. Voilà, vous pouvez demander à tous ceux qui l'ont testé. Je pense qu'ils ont eu le même avis que moi. Guerrero, voilà, c'est une valeur sûre. Arrière gauche, il a la vitesse, il a la défense. Le physique c'est pas trop ça, mais ça compense. Il a les dribbles, la frappe, les passes. Il a une carte complète. Pourquoi je dis Alaba? Parce que tout d'abord il joue en Bundesliga et que Alaba je le considère comme l'un des meilleurs arrière gauche au monde. C'est pour ça les gars. On va tout de suite partir en match, donc je vais pas pouvoir vous prouver grand chose, on va dire ça comme ça, à part sur des actions défensives où je dois défendre avec Guerrero, mais c'est pas Guerrero qui va marquer des buts, hein. Vous avez vu sur 56 matchs il m'a mis un seul but. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter ce joueur, parce que franchement c'est un joueur coup de cœur de cette année, comme Anne Moustache par exemple et Chicharito. Ça a été des joueurs coup de cœur, franchement. Depuis que je les ai achetés, je les ai pas lâchés. Je présente pas des joueurs qui en valent pas la peine et avec lesquels pas du tout jouer. Au contraire, oula, le mec il a une attaque de Serie A, Cuadrado, Dybala, Mertens. Un milieu mi-argentin, mi-ligue 1 et une défense de ligue 1. Il a une bonne équipe, franchement. Mais on a vu qu'il jouait avec un pote. Il était en cop. Allez, on repart de l'avant. Chicharito, je t'ai vu. Oh là là. Dans le trou. Oh là 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 là, il l'a couché, il l'a couché. Ah, dommage, le défenseur, il a bien coupé ma frappe. Dommage, parce que franchement, je pense qu'elle partait au fond des filets. Oh mon dieu. Ah, je suis désolé, j'étais obligé, sinon il partait au but. C'était but, voilà, tout simplement. Je vais me prendre un carton rouge, certainement. Voilà, carton rouge, c'était le dernier défenseur. C'est pas grave, je préfère faire ça que me prendre un but. On va pas jouer les fifous, je vais mettre un joueur. On va changer de dispositif d'ailleurs, c'est comme ça. J'aurais pu mettre lui, mais je vais laisser Chourleux voir ce qu'il donne pour le moment. Quoique, je vais mettre Sanchez en 6, ça pourrait être pas mal. Ah, dommage, c'était pour Anno, deuxième poteau. Allez, Chicharito, tu continues. Allez, Chicharito! Allez, Chicharito, les gars, bien évidemment! Il a récupéré la balle au défenseur, je sais pas ce qu'ils ont fait en défense, mais en tout cas, Chicharito, il a été présent. Après Anne aussi l'a bégayé face à l'autre. Enfin, j'ai eu de la chance qu'elle retombe dans les pieds de Chicharito. Voilà, après Chicharito à la finition, ça rentre presque tout le temps. Et puis voilà, ça fait 1-0, on commence bien le match. Oh gros, on commence pas à tacler comme ça aussi. Allez Naldo, rattrape moi ça. Putain, mais on dirait il tire une caravane, c'est incroyable. Eh ouais, il met la tête. Mais c'est quoi ça, Dybala qui met une tête quand même. Allez Chicharito. Chicharito, et ben non, il est hors jeu. Allez, Chicharito, c'est parti. C'est ça, gros. Putain, j'ai vu le défenseur central. Il est arrivé pour jouer le gars avec Chicharito. Au final, il l'a taclé. Je me suis dit, bon, pied gauche de Chicharito, on va tester. Grosse frappe, pleine lucarne, les gars. Regardez-moi ça. Il part, le défenseur là, il me tacle. Hop, j'ai bégayé, bim. Grosse frappe, pleine lucarne. Allez, c'est la mi-temps, les gars. Un petit doublé de Chicharito, ça fait plaisir. Voilà, lui, il a fait un tir, un cadré, un but. Moi, j'ai fait 6 frappes, 5 cadrés, 2 buts pour le moment. Voilà, Chicharito toujours au top de sa forme. A savoir que je joue avec un joueur en moins. Attends, je suis pas bien cadré là. Voilà, là c'est mieux. Allez, c'est parti, 4. Oh my god! Oh, mais les gars, mais j'ai que des snipers dans mon équipe. C'est quoi cette frappe? Je pensais qu'elle sortait du 4 carrément. Même pas sous la barre. Regarde-moi cette frappe. Le gardien l'a vu flou. Tout la barre. Magnifique, magnifique, les gars. Castro aussi, c'est un joueur que je kiffe. De ouf, je dis pas ça parce qu'il vient de me marquer un but, hein, vraiment les gars. Après, si vous voulez, je vous montrerai les matchs que j'ai fait avec lui. J'ai dû au moins en faire 40 des matchs avec lui. Il est vraiment bon, il a une frappe vraiment incroyable. J'ai mis pas mal de buts en long shot avec lui.
Allez, Chicharito, tu te fais plaisir. Excellent, les gars, excellent. Mais bien évidemment, Chicharito, il est présent. Le triplé, les gars, ça fait 3 buts dans ce match. Et ouais, j'ai plus le temps. C'est pas moi qui ai plus le temps, c'est Chicharito. Il a plus le temps avec ses frappes là. Les gardiens, ils comprennent pas. Allez, Chicharito. Ah bah non, ce sera Anne, tant pis. Un moustache, let's go. Oh là là, que des grosses frappes dans mon équipe. Regarde-moi là, tu joues le gars, bim, tu le mets dans le vent, il a vu que du feu. Grosse frappe encore, grosse frappe, que des grosses frappes. Allez Guerrero, la vidéo elle est sur toi. Wow! T'es un ouf toi! Carton jaune, carton rouge carrément, let's go! Allez, Rashki! Allez les gars, le rage qui fait plaisir. On lui a mis 4 ou 5-1, je sais plus. Attends, 3 buts de Chicharito, 1 de Castro, 1 de Anne, ça fait 5. Chicharito, homme du match, 10 de notes, let's go. Anne, 9,5, voilà. Les gars, les joueurs, je vous les présente, c'est pour vous. J'ai fait des matchs avec eux, je teste des joueurs. Moi, je vous les présente pour vous, comme ça vous faites du sale en division, en Future Champions, comme vous voulez les gars. Et voilà, j'espère que la présentation de Guerrero vous aura plu. Les gars, j'ai pas trop pu le mettre en scène dans ce match. Mais franchement les gars, testez-le, je vous promets, c'est vraiment une valeur sûre. N'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, ça récompense, ça fait plaisir. Ton commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Ou même pour discuter, quoi que ce soit, t'inquiète pas. Voilà, partage la vidéo avec tes potes. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. C'était Tezax, à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care.